J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis surexcitée, je pense que ça se voit. Je ressemble à rien. Donc on va y remédier dans cette vidéo. J'ai extrêmement hâte de la faire. Franchement je suis surexcitée. J'ai les cheveux sales, je me suis pas encore douchée. J'ai genre plein de poils de chat sur mon jogging. Ça va plus, on se bouge. J'ai décidé de faire une vidéo. Je me transforme en Dua Lipa. Pourquoi? Parce que Dua Lipa, franchement je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle est en train de prendre une place énorme sur les réseaux. C'est une chanteuse absolument incroyable. Et surtout je trouve qu'elle est particulièrement stylée. Et il y a une espèce de un peu mode Dua Lipa où tout le monde se maquille, s'habille un peu dans son style. Je la trouve trop stylée, franchement c'est incroyable. Je me suis dit je suis obligée de faire cette vidéo. Cette vidéo était prévue depuis quelques temps. Je m'étais dit que ça pouvait être grave cool de le faire, étant donné qu'en plus j'avais fait une vidéo il y a quelques mois où je mangeais comme elle. Et genre là c'est tombé il y a quelques jours. Ce soir je vais à un concert. Vous allez vous dire ah bah du coup tu vas au concert de Dua Lipa, trop bien. Pas du tout. Je vais au concert de Billie Eilish. Totalement du hasard. Donc là je vais me préparer en mode giga Dua Lipa et je vais aller au concert de Billie Eilish et je vais vous vlogger. Je me dis autant vous ramener avec moi, ça va être drôle. Bref, alors d'habitude quand je fais des vidéos transformation, ce que je fais c'est que je prépare en amont quel make-up, quel machin je vais suivre. Là je me suis dit en vrai autant faire ça ensemble. Donc obligée d'aller sur Pinterest. Venez on regarde le make-up Dua Lipa make-up. J'aime trop les trucs un peu comme ça en violet, c'est trop beau. J'ai trop envie d'un truc avec des strass ou des points blancs, genre ça là. J'adore, genre je kifferais trop faire ça. Mais au lieu de mettre des strass, je mets des points blancs. Je vais enregistrer tout ce qui me plaît. Mais elle est toujours genre en violet, en rose. Pour moi ça c'est vraiment elle. Ça c'est grave beau et ça va tellement pas m'aller. Sinon un liner violet, des paillettes sur les yeux et des points blancs. Mais est-ce que j'ai genre un liner blanc pour faire ça même? Je sais même pas. Franchement ce make-up il est trop beau, mais pas avec des lèvres foncées sur moi, ça va pas. Du rose comme ça, oh, j'adore. Mais c'est dingue le nombre de photos avec du fard à paupières violet comme ça. Ouais, c'est que du violet ou du bleu. Je pense qu'on va tenter de faire un truc un peu comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis ça comme si vous allez me répondre là comme ça et que ça allait m'aider, mais bon. En vrai c'est pas mal, je pense qu'on va rester là-dessus déjà. Et on va faire du Dua Lipa. J'ai trop envie de tester un truc, vous savez les deux tresses là comme ça. Mais par contre je suis tellement nulle en cheveux, c'est fou. C'est grave, genre ça, oh, je veux trop le faire, oh, mais j'ai pas de petit élastique là, oh. Bon on va trouver. Mais franchement la coiffure j'ai même pas envie de chercher plus, genre j'ai trop envie de faire ça là, les deux tresses, avec du wavy un peu sur les côtés. On met un peu de shampoing sec en mode volume et plein de lac pour que ça tienne. Je pense que c'est pas mal hein, regardez, ouais c'est vraiment ça que je veux. Trop beau. Mais comment on fait? Venez on va voir sur TikTok. Je vous jure il y a trop de trucs sur TikTok maintenant. Pour le coup moi je suis pas hyper utilisatrice genre du fil d'actualité. Mais alors ça c'est vraiment incroyable. Dès que t'as besoin d'une recette, d'un truc, il y a tout. Il y a pas quelqu'un qui m'explique comment je fais cette coiffure? Bon après c'est deux tresses de devant, peut-être que je suis une forceuse. Bon on va se bouger, on va aller se doucher. Petit skincare routine. Oups. Petit make-up, petite coiffure, petite tenue. Et concert. Ça y est, je suis sortie de la douche. C'est l'heure de la skincare routine. On prépare sa peau avant le make-up. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Garnier. Pour ceux qui me suivent, vous savez que Garnier fait partie clairement de ma routine. On va se faire un masque à la vitamine C. J'adore la vitamine C. Ça donne vraiment de l'éclat au teint. Pour ceux qui ont un teint fatigué, terne, etc., ça vient vraiment réveiller le teint. Là, le masque Garnier, il est enrichi aussi avec de l'acide hyaluronique. Donc, trop bien pour l'hydratation. Là, ils en ont fait un masque parce qu'il y a toute une gamme. Et vraiment, les masques avant de se préparer. Alors moi j'utilise de deux manières, le soir soit pour me détendre ou sinon bah typiquement pour ce genre d'événement où j'ai envie d'avoir une peau parfaite ou pour tous les jours, et bah j'applique un masque tissu comme ça et ça va vraiment venir hydrater juste avant de se maquiller, donner de l'éclat et tout. Franchement c'est trop bien, vous savez de toute façon que je me fais des masques tout le temps, c'est très grave, c'est une addiction. Je vais le laisser poser 15 minutes. D'ailleurs petite astuce en plus, j'adore mettre les masques au frigo, surtout pour ce genre de produit qui donne de l'éclat, ça multiplie encore plus les effets, je trouve ça trop bien et c'est hyper agréable. Surtout que là il fait chaud. Donc je reviens dans 15 minutes. Ça y est, je peux le retirer. J'espère que pendant ce temps là vous êtes abonné à ma chaîne. Il y a toujours plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas si jamais les vidéos vous plaisent. Vraiment, vous savez que ça me fait trop plaisir. Et ça m'aide beaucoup d'ailleurs. On retire le masque peut-être? Ce que j'aime bien faire c'est masser pour faire pénétrer le restant des produits. Et j'applique aussi le sérum, c'est toujours la même gamme, vitamine C. En plus il est SPF 25. Et j'applique partout sur mon visage. La texture c'est vraiment hyper crémeux. J'adore ce genre de texture, c'est hyper hydratant. Vous voyez c'est pas le genre de produit un peu gel qui va dessécher la peau. Enfin voilà, j'ai fini ma skincare routine, je vais juste mettre une crème hydratante. Et on peut passer au make-up. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse, allez checker la barre d'infos, tout y est. Merci Garnier.
Pour le make-up, du coup, j'ai trouvé genre des strass, vous voyez ce genre de truc. Je sais pas d'où ça sort, c'est dans mes tiroirs. Des petits strass, j'ai trouvé aussi des palettes avec des fards un peu violets dans les tons qui pourraient matcher. Et j'ai aussi trouvé un liner blanc. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Du coup, on commence par le teint. Franchement, elle a un teint genre parfait. Donc, on va essayer de faire un teint quand même assez couvrant. Lumineux, bien blushé, contouringué, highlighté. Je pense que la highlighter derrière, on peut peut-être oser un peu de couleur. On va voir. Let's go, je vais déjà mettre un peu de fond de teint. On a dit assez couvrant. Et je trouve qu'elle a un teint assez glowy quand même. On reste dans le thème. Je trouve qu'elle a vraiment des sourcils de ouf, hyper épais. Donc je vais les brosser vers le haut. De toute façon, en ce moment, je fais vachement ça avec un gel à sourcils genre transparent. Comme ça, après, je remplis juste les petits trous que je pourrais avoir. Et du coup, j'ai des sourcils beaucoup plus naturels parce que je les remplis moins. Et j'aime trop. Et pendant que ça sèche, je vais faire mes petites cernes. Je vais pas trop en mettre non plus parce qu'on va pas abuser sur la couvrance. Et j'aime bien appliquer aux doigts. Genre, je chauffe un peu mes doigts. Je trouve que ça étale vraiment trop bien la matière. On va bien sculpter parce qu'elle, elle a vraiment un visage genre hyper fin, je trouve, hyper sculpté. D'ailleurs, vous me demandez tout le temps si je fais toujours du gua sha, mais oui, totalement. J'adore, je m'en passerai jamais. Et quand je le fais plus, je sens que vraiment, genre ma mâchoire, ça c'est beaucoup plus gonflé, beaucoup moins dessiné, genre. Je suis fan. Et les massages de visage en règle générale, c'est vraiment trop trop bien. J'aime bien toujours en mettre sur les paupières du bronzer. Ça donne une bonne mine. Un peu là, un peu là, un peu là. Je vais mettre de l'highlighter en crème. Je pense qu'après on rajoutera en poudre pour donner encore plus de glow. Et du blush, parce que là je manque un petit peu de blush, je trouve. Mon blush, je l'applique en 8. Et genre ça permet de sculpter les pommettes, vous allez voir. Je l'applique comme ça, pas trop bas surtout. Vous voyez le 8? Et en fait cette technique, je vous jure que ça sculpte trop les pommettes. Oh, je suis en train de penser à ce que j'ai commandé en tenue, mais vous allez trop rigoler. C'est tellement pas mon style, putain j'avais oublié que j'avais commandé ça. Ça va être hyper drôle. Je pense que là c'est pas mal. J'adore. On va remplir un peu nos sourcils parce que pour le coup elle a les sourcils beaucoup plus épais que moi. Je vais remplir surtout ici. Je veux quand même qu'ils soient naturels parce qu'on va faire un make-up assez chargé. Donc le but c'est pas de me transformer en peau de peinture. Je pense que là c'est pas mal. Je vais mettre d'ailleurs un peu de baume à lèvres pour m'hydrater les lèvres. Pour le make-up des yeux, franchement, je suis en train de me dater. Je me dis, je ferais bien un liner rose violet avec des paillettes un peu genre irisées sur la paupière. Et je peux mettre les strass. Soit je fais des strass aux petits points là comme ça, soit je fais des points blancs. Je pense que je vais déjà appliquer un fard tout simple, un peu dans le creux. Je veux pas non plus que ça fasse too much. Voilà, je pense que je vais juste mettre un peu de fard comme ça, crème qui est pailletée. C'est trop beau, vous allez voir, sur ma paupière. Vous voyez, c'est vraiment des paillettes toutes simples. C'est hyper simple comme make-up, hein. On fait vraiment la version simplifiée. Et du coup, on va se faire notre liner un peu violet rose. Peut-être qu'on dirait du marron à la caméra, je me rends pas compte. Mais en vrai, c'est violet quand je l'applique. Alors attendez, je reste concentrée. Oh oh. Ah non, ça va. Je pense que c'est bon, putain, ça m'a mis la pression, j'ai hyper chaud. Il est assez long, ça change de d'habitude. Les strass, du coup, elle en met bien au centre, au-dessus. Un en dessous du liner, un au coin externe, un au milieu en bas et un ici là. Mais j'ai peur que ça tienne pas en fait. Les points blancs, c'est sûr que ça tient, mais j'ai peur que ce soit moins beau. Putain, je sais pas. Bon, on va tester les strass. Je pense que si je mets ça là. Je pense qu'on va opter pour les points blancs, hein. Ça sera mieux. Oh, il est sec. Oh my god. Allez, ne sois pas sec. Non, ça va le faire. Ok, il faut bien que je les place là. Avant de faire mes petits points, je vais mettre un peu de fard dans le coin interne. Et je vais mettre, enfin je mets un rose. D'ailleurs, c'est pas hyper rose. En fait, c'est un fard genre doré avec des reflets roses. Ok, c'est l'heure du liner. Oh, c'est tellement sec. Sinon, je vais essayer de créer une mixture. Mais en fait, je me fais pas respecter là. Je sens que ça va être affreux parce que ça bave de tous les côtés. Oh, mais c'est immonde. En plus, on n'a pas beaucoup de temps, hein. Oh là là. On démaquille sans gâcher notre liner parce que après, ça va plus là. On n'aura plus le temps de tout faire. Non mais là, c'est une catastrophe. Par contre, c'est en train de me saouler. J'arrive pas. Si j'avais eu un liner blanc, tout aurait été plus simple. Mais je me dis, ça peut rendre bien quand même. Je sais pas. C'est tellement pas propre, ça me fout le seum. Est-ce que... Non mais regardez-moi, j'ai une grosse débile, hein. J'ai un seum, je peux pas l'exprimer là, tellement c'est grave. Je vais prendre mes clics et mes claques et je vais me démaquiller. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire?
j'ai une idée. Je vais faire un peu de fard rose en dessous, une strass si j'arrive à les poser parce que ça tombe et elle colle pas bien. Et ce sera bon. Ce sera très Dua Lipa, faites-moi confiance. Et puis il y a tout le reste qui arrive. Ça m'a tendu là. On va tout bien cliner pour que ce soit bien droit. Un peu de violet comme ça. Ensuite, je pense franchement qu'on peut mettre encore plus de paillettes. Petite astuce parce que vraiment les paillettes ça peut aller un peu partout sur le visage. Donc je prends genre mes paillettes sur les doigts et je viens prendre un papier comme ça. Mais comme ça je peux bien l'estomper correctement, tout bien faire sans aucune chute. Ah c'est beaucoup plus beau comme ça. Regardez la différence entre les deux yeux. J'aurais bien mis quand même genre une strass au coin interne, je trouve ça trop beau. Ou une strass au-dessus. Mais elles sont tellement vieilles qu'elles tombent. C'est toi que je veux coller, je l'ai trempé dans la colle à fossile, mais elle a pas compris qu'en fait la colle à fossile c'était bien, mais... Non, j'aime pas, c'est trop gros. Enfin je sais pas, avec du mascara peut-être que c'est bien. Peut-être que c'est bien, hein. J'en sais rien. Peut-être que c'est bien, hein. Oh, peut-être. Je vais me recouper les cils, mettre du mascara, parce qu'on peut jamais voir à quoi ressemble un make-up tant qu'on n'a pas de mascara. Bah je sais pas si j'aime, je me dis peut-être que c'est mieux sans, mais on verra à la toute fin. En tout cas là on est dans le thème du Dua Lipa. Donc on garde les strass, on va faire les lèvres et on va se dépêcher parce que je suis censée être partie dans une heure. Je vais rester dans les tons roses, je mets du baume à lèvres un peu rosé et je vais surtout faire mon contour pour bien marquer le rose. Voilà le make-up, venez on va voir à la lumière naturelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime beaucoup. Maintenant il faut faire les cheveux et d'ailleurs il faut se dépêcher. Nous allons faire nos deux tresses. Je pense que je vais regarder un tuto avant parce que je suis tellement nulle que sinon je vais pas m'en sortir. Première étape, déjà on va mettre du shampoing sec parce que j'en ai bien besoin. Je vais essayer de prendre deux mèches. Je vais d'abord faire les tresses, ensuite je ferai le wavy. Je sais pas du tout comment faire par contre. Hein. Comme ça, je pense que c'est bien. Ça va être fin, mais je pense que ça va être bien, j'espère. Je pense que de votre vie, vous avez jamais vu quelqu'un aussi peu à l'aise avec ses cheveux. Par contre, j'ai pas de mini élastique, j'ai trouvé que des fins comme ça, mais je pense que ça va le faire. Mais du coup l'élastique est 10 fois trop gros, moi je m'attendais à une grosse tresse. Je pense qu'il faut que je prenne plus de cheveux. Bon, au pire j'irai acheter vite fait des élastiques. Mais est-ce que la taille c'est bien? Oh mais c'est ça. Si c'est ça. Ouais je pense qu'il faut quand même que ce soit un tout petit peu plus gros. On va tenter une mèche un peu plus épaisse. Si on enlève l'élastique pourri, je trouve que c'est pas mal. On continue. Ta-da! Maintenant, on boucle tous les cheveux parce que pour l'instant, ça ressemble à rien. Et voilà le résultat. Franchement, les tresses, je sais pas trop quoi en penser. Bah, bon, les élastiques, on sait que c'est moche, mais oh, une tresse comme ça, là, moi, j'aime pas trop. Celle-là, elle est bien parce qu'elle se fond dans les cheveux, genre, elle est bien placée. Et celle-là, elle est grave en avant. Oh, c'est... Oh non, c'est moche. C'est pas beau, hein. C'est trop moche, je ressemble à rien. Bon, on va les laisser le temps de la tenue. On verra à la fin si je les garde. J'ai passé une commande sur Naked avec les vêtements qui m'inspiraient le plus en mode Dua Lipa. Je vous montre. Un short rose, bien entendu. Il est grave beau. C'est un peu genre satiné. J'ai acheté, je sais même plus ce que c'est. C'était un pantalon comme ça. Franchement, je trouve que c'est trop Dua Lipa. Tout va être rose violet. J'ai pris un petit top comme ça qui remonte en mode maillot de bain. Pareil, je trouve que c'est totalement son délire. J'adore. J'ai pris un haut comme ça. C'est trop à l'ancienne. Je trouve que c'est trop les années 2000. De toute façon, son style pour moi, c'est les années 2000. Je le trouve pas hyper beau, mais voyez l'effet un peu froissé là. Bon, on va voir. J'ai pris un pantalon. Celui-là va être magique. En vrai, je trouve ça marrant. Oh my god, ok. J'ai pris le meilleur truc possible. C'est l'ensemble. Je vais même pas le déballer. On va le voir direct porté. Pour moi, c'est l'ensemble. Il s'appelle Dua Lipa. Ou Britney Spears. Un peu des deux. J'avais pris aussi un haut avec une seule... Mais attends. Ah oui, d'accord. Ça se met comme ça. J'ai eu peur. Comme ça. J'ai pris un haut tube comme ça en vert. Je trouve que c'est très stylé. Et j'ai pris un petit bandeau pour les cheveux orange. Il y a aussi des accessoires mais ça je vous le montre pas. Ça sera la surprise. Je vais essayer cette tenue. Le pantalon avec le haut rose. C'est affreux. Alors le pantalon c'est pas mon délire. Mais c'est un style.
mais le haut il me va pas du tout. Alors c'est genre le truc que ça me met, c'est pire que ne pas mettre en valeur, c'est à dire ça, c'est terminé quoi, c'est ignoble. Sinon j'ai un bandeau noir, on va tenter avec ça. Bon c'est déjà un peu mieux, même si c'est pas non plus fou, enfin en vrai c'est juste pas mon style, donc je peux pas tout demander non plus. Je vais trop galérer même à mettre ça, mais ça c'est du Alipa, mais en même temps c'est juste un short rose, donc ça ça sert à rien. Ce t-shirt honnêtement je trouve vraiment pas beau en vrai. On va essayer l'autre pantalon avec ce top. Ce pantalon très... En fait ce haut il mériterait d'être plus comme ça. Je pense qu'il est trop grand pour moi. Parce que d'ailleurs c'est mignon hein, franchement. C'est un délire. Peut-être un haut un peu moins rose flashy. Bon allez on passe au meilleur outfit là. On perd notre temps. Ta-da ! Avouez, on est sur du Alipa. Là c'est bon, on est dans le thème. Honnêtement je pourrais le mettre. Avec les tresses et tout, je trouve que c'est très stylé. Mais vous êtes en train de vous dire c'est tout? Non, ce n'est pas tout. Nous avons un collier. Le collier s'appelle Dua Lipa. Regardez juste. Oh mon dieu. Les fans de Dua Lipa en sueur. Tadam ! Pas terminé, on a dit. Là, mais là, là, c'est vraiment la touche qui fera que cette tenue, c'est de l'abus. Mais on reste dans les années 2000. Bref, j'arrête de parler. Je ne peux pas y croire. Comment je me ridiculise sur cette plateforme, c'est devenu un petit peu trop, je pense. Oh, putain, je suis horrible par contre. Ah non, mais là, c'est... catastrophique. Qu'est-ce qu'on en pense? Non par contre les lunettes c'est vraiment trop. Je suis extrêmement satisfaite. Bon voilà pour le look final. Je vous avoue que j'ai pas du tout le temps d'aller acheter des élastiques, parce que sinon je vais rater Billie Eilish. Donc on arrête les bêtises. J'espère que ce look vous a plu. La vidéo n'est absolument pas terminée, parce que là on va au concert tout de suite, maintenant. Dites au revoir à cet outfit. Je me change parce que je ne veux pas aller au concert de Billie Eilish comme ça. C'est impossible. Bref, on arrête les bêtises. On est arrivé. Il y a tellement de bruit, je ne pourrais jamais vous parler. Jérémy me déteste de l'avoir amené ici. Au McDo, on a trop faim. Tu sais que je suis dans ma pire période, j'ai l'impression que je mange des pizzas et des burgers tous les jours. Attends, on a mangé au McDo il y a 2 jours évidemment. On fait n'importe quoi avec la vie. 22€. Mais qu'est-ce que t'as fait? Moi mon menu c'est 8€. 22€. Mais t'es sûr de ton coup? Ouais. Une ambiance, t'as peur. Oh mon dieu, je suis rentrée. C'était incroyable. J'ai passé une soirée de ouf. Il est 2h du matin, faut vraiment que j'aille à la douche. Je ressemble mais plus à rien. Je vous jure, depuis que genre tout a réouvert, depuis qu'il y a des concerts, la vie elle est vraiment pas possible sans musique. Genre là je me rends compte, c'était tellement ouf. Franchement Billie Eilish c'est trop une bonne énergie, un bon mood, c'était ouf. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'hab et à activer les notifs. Je sors 2 vidéos par semaine, une mercredi, une le dimanche à 18h. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, je suis active tous les jours. Donc voilà. Et on se retrouve mercredi dans une vidéo grave spéciale. Vraiment très spéciale, qui me tenait trop à cœur. Donc j'espère que ça va vous plaire. Gros bisous.